Chaque fois, c'est la même histoire. Elle est joyeuse quand tu arrives et bouleversée quand tu repars. C'est très dur pour elle. Tu sais, mon cœur, je vais travailler. Je veux pas. Ça s'est bien passé, t'es lituanien? Oui, ça va. Ton fils a appelé. Je veux dire notre fils. Ah non, quand il m'énerve, c'est que le tien. Je vous embrasse. Je vous aime, tu sais. C'est mon travail, je vais au téléphone. Tu as dit je vous embrasse fort, je vous aime. De quoi tu joues, là? Tu m'espionnes? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'aurais la même question, chère Margot. Je ne savais pas que vous connaissiez Pierre-Paul. Judith, tu m'appelles Judith. Ça fait bizarre, couvrir des choses comme ça, sans y être préparé. On peut pas continuer comme ça. Tu mens en permanence, à tout le monde. Tu me fais peur. Tu m'as demandé de ne pas papiller, c'était excitant. Une femme comme toi qui vient ici, qui fait semblant de ne pas être effrayée. Alors qu'elle est effrayée. Ah! Tu m'en rends dingue! C'est toi qui nous as coupé du monde! C'est toi! Et moi, j'ai inventé! Quel est votre nom, madame? C'est une question simple.